Sunrise. Whoa. Je suis un peu plus fatiguée ce soir, je suis tellement fatiguée. Out of this world, out of this world, c'est malade. Oh my god, what an adventure! Quelle aventure! Déjà, le lever du soleil, s'il vous plaît, derrière moi. Le lever du soleil est magnifique. Je suis enfin arrivée à l'aéroport pour prendre mon vol pour la Cappadoce. Je suis hyper fatiguée, mais I still look fine. L'aéroport est actuellement super balèze. Je sais même pas si c'est pas plus balèze que l'aéroport de Paris. Ça me fait grave penser à l'aéroport de Dubaï. Et franchement, impeccable. Impeccable. Le seul défaut, c'est que les Turcs ne parlent pas vraiment anglais. Mais à part ça, franchement, génial. Dans le vol pour Nevşehir, on survole le pont qui sépare l'Asie de l'Europe. Et on a droit à des paysages magiques. On aperçoit des montagnes et des collines à perte de vue. Dès l'atterrissage et à la sortie de l'aéroport, j'ai immédiatement des flashbacks de mon voyage en Macédoine. La région me fait beaucoup penser à Ohri, la ville au multi-patrimoine de l'UNESCO située au sud de la Macédoine. Hi guys, je suis arrivée en Cappadoce. So far, j'aime bien l'hospitalité des Turcs. Les Turcs sont très gentils, ils aident, etc. Le nombre de personnes qui m'ont aidé avec mes valises et tout, ils sont adorables. Par contre, très peu d'entre eux parlent anglais. J'ai plus parlé que ce que je voulais. Ça fait déjà 4 minutes. I'm gonna cut some parts, obviously. C'est la magie du montage. J'ai pas trouvé de SIM card parce que c'est super cher. C'est genre 50€ pour avoir 15 gigas de connexion. Qui va faire ça? Ça, c'est 15 gigas, ça va. Qui va m'amener sur la lune? On m'a conseillé d'attendre et de prendre quand je serai de retour à Istanbul. Donc, on va se passer de la connexion, ça va pas me tuer. Là, je vais pour le tour de Quad et on est venu me chercher. Et puis voilà, je chill en attendant. Est-ce qu'on peut s'en sortir, pardon, s'il vous plaît? Ça ressemble à rien. En fin d'après-midi, j'avais ma première activité, le Sunset Quad Tour. C'était super sympa. J'ai rencontré des touristes du Royaume-Uni. On a passé un très 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 bon moment. On est arrivé au premier stop. J'ai une idée de comment le stop s'appelle. Parce qu'on n'est pas là pour connaître forcément les noms aussi. Mais voilà, vous pouvez voir, c'est très 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 beau. On a l'activité quad. La vue, elle est magnifique derrière, regarde. Excursion. Je suis en train de rentrer. Je vais un peu me reposer tout ça et ensuite je vais sortir manger. Parce que faut que je me couche tôt pour demain. Demain le programme commence vers 4h. 3h ou 4h du matin. C'est beau chaud, hein? Bravo! Perfect. Il est 4h27-28 du matin. Pourquoi me réveiller aussitôt en vacances? On se le demanderait. Je vais voir quelque chose d'assez spécial, mais qui est assez typique de la Turquie, mais surtout de la région dans laquelle je suis, qui est la Cappadoce ou Cappadocia. J'appréhende un peu. Et bon, je donnerai mes impressions une fois l'activité passée. Si j'ai pas dit, il fait froid là, j'ai menti. Il fait froid, je suis en col roulé comme vous pouvez voir et je vais me doubler là. Parce que les gars, c'est pas les lol. J'ai quitté dans des températures super froides, chaudes, dans des températures super froides. Il fait quoi, 3 degrés ce matin. Je m'attendais à avoir beaucoup plus froid que ça, mais you know, UK girl, we used to this. Deuxième jour. Je me suis levée très tôt pour faire un tour en montgolfière au lever du soleil. J'appréhendais beaucoup cette activité car je redoutais la sensation d'être en l'air dans un ballon. Mais c'était vraiment un moment inoubliable et épique. Un moment unique à vivre malgré le prix qui n'était pas donné. Je m'attendais à voir, j'espère que ça va. C'est super bon.
60 degrees. Camera. J'ai rencontré pendant l'activité un couple de Sud-Africains. Nous avons partagé le même compartiment. Ils étaient très sympathiques. On y en a beaucoup parlé, voyages et astuces. Donc, pour ceux qui auraient peur du vide, sachez que vous sentirez plus les secousses en avion que dans une montgolfière. J'irai même jusqu'à dire que vous sentirez davantage le fait de marcher sur le sol que de voler en montgolfière. Il est, je crois, 6h50 du matin et j'ai obtenu ça, mon first flight certificate. C'était trop bien, franchement. J'ai rencontré un couple qui était super sympa, qui était en voyage et tout. Ils venaient de l'Afrique du Sud, c'était très très intéressant. Et voilà, je vais venir dormir un petit peu parce que j'ai un tour là tout à l'heure. Après un matin riche en émotions, je suis partie pour le Red Tour en après-midi. Le Red Tour est un tour culturel de différents sites historiques et points d'intérêt de la Cappadoce. Nous avons marqué un premier stop à Uchizar Castle, où j'ai beaucoup appris sur les différentes civilisations qui ont influencé le développement de la région, c'est-à-dire les Byzantins, les Ottomans, mais aussi les civilisations chrétiennes et islamiques. Mais j'ai surtout appris que ces cavités naturelles se sont formées à la suite d'explosions volcaniques. Ensuite, nous avons continué le tour avec des stops à la Pigeon Valley ou la Vallée des Pigeons, le musée à ciel ouvert de Brême, et nous avons fini la journée par un cours de poterie à Avanos, qui est une ville reconnue mondialement pour ses potiers aux talents remarquables. You know what I'm going to say. Can you be more tired? J'étais censée me lever aujourd'hui à 9h, prendre le petit déjeuner de l'hôtel et tout ça. Et ensuite partir à commencer mon tour d'Istanbul parce que je suis revenue à Istanbul en fait. J'ai quitté la Cappadoce. Ça fait 3 jours que je suis en train de marcher à travers la ville, à travers le monde là. Mon corps, en fait, mon corps ne pouvait plus. Je me suis endormie dès le décollage de l'avion à Neves. J'ai sursauté, il était 11h30. J'étais censée être déjà dehors depuis 1h30. Là, devinez quoi, il est bientôt 13h. Mais c'est pas grave, j'avais besoin de repos. On est dans le ferry, on va partir enfin. Journée qui commence très très tard, mais je suis contente. Je fais des trucs à ma vibes et tout. C'est l'essentiel. Et je me suis habillée assez... couvert ça parce que je vais visiter les mosquées. C'est toujours important d'avoir aussi un foulard pour entrer dans les mosquées, sinon au pays et tout ça. Quoi. Pour mon premier jour de visite à Istanbul, j'ai fait le tour des lieux les plus connus. J'ai commencé par prendre le ferry pour rejoindre le côté européen de la ville, car mon hôtel était dans la partie asiatique de l'autre côté du Bosphore. J'ai commencé par la visite du mausolée des sultans, situé juste à mi-chemin entre Hagia Sophia et la mosquée bleue. L'endroit est vraiment magnifique, avec des gravures murales exceptionnelles. Les Turcs y vont pour se recueillir et prier pour leurs anciens sultans. Donc là, je suis arrivée, c'est juste derrière moi. C'est très 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 beau. J'ai hâte de visiter l'intérieur. Et en face, en fait, il y a Hagia Sophia. C'est deux mosquées. En fait, c'est une ancienne église qu'ils ont reconvertie en mosquée. Et elles se font face en fait, donc tu peux visiter les deux en même temps. Ensuite, je me suis dirigée vers la mosquée bleue, de son vrai nom, mosquée du sultan Ahmed. Elle a été surnommée mosquée bleue par les touristes, et il faut savoir qu'elle est très souvent en travaux. Malheureusement pour moi, je suis tombée sur des travaux en arrivant là-bas. Les vidéos ne sont pas interdites, les photos non plus, sauf quand les gens sont en train de prier. Donc c'est pas l'heure de la prière là, I'm good. Mmh.
fait, tous les livres qui sont là sont gratuits, quoi. Ils vous les donnent gratuitement. Cet endroit est super apaisant, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est genre ultra apaisant. Déjà le soleil sur ma peau, fait que je suis trop stylée, s'il vous plaît. Et après ça, il y a évidemment le fait que c'est super beau, les couleurs vont bien ensemble, il fait très beau aujourd'hui et très chaud, donc c'est hyper apaisant. So, can I be more grateful? Can I be more happy? Non, je pense que j'ai jamais aussi autant parlé aussi doucement de ma vie. And I'm not happy. Oh man. Franchement, elle est magnifique cette mosquée. Waouh! Je n'ai donc pas pu admirer toute la beauté de la mosquée. Mais je n'ai pas été déçue du déplacement car Hagia Sophia, qui se trouve juste en face, est un bijou. Cette mosquée est splendide. Elle a une architecture impressionnante et elle est juste super bien conservée. Bref, elle semble venir d'un autre monde. C'est en fait une ancienne église qui a été transformée en mosquée après l'arrivée de la civilisation musulmane. Elle garde encore des traces de la religion chrétienne, car il reste à l'extérieur des gravures murales de certains personnages de la Bible. Vous pouvez y voir notamment des gravures de Jésus et de la Vierge Marie. Voir ce croisement entre ces deux religions monothéistes était tout simplement beau. Sur la route du retour, j'ai rencontré par hasard Abdourahmane, un Écossais d'origine mauricienne, avec qui j'ai beaucoup discuté de son île natale. Cela vous donne un indice sur ma prochaine destination. Pour mon dernier jour en Turquie, j'ai visité le palais Dolmabahçe ou Dolmabahçe Sarayı. Mais avant, je suis allée flâner dans les rues de Balat, un des plus vieux quartiers du côté européen d'Istanbul. Le quartier est notamment connu pour ses maisons colorées et ses terrasses très stylées et instagrammables. C'est cool, les maisons sont beaucoup plus vieilles, ça n'a absolument rien à voir avec l'autre côté d'Istanbul dont je viens et tout. Google m'a pas dit je me suis trompée là, je vais mourir. Google meurt en fait s'il me dit pas, je me suis trompée. J'ai visité le palais Dolmabahçe, mais les photos et les vidéos sont strictement interdites à l'intérieur. Je n'ai donc pas beaucoup d'images à vous montrer. Mais sachez que la visite en vaut le coup, car on apprend beaucoup sur l'héritage culturel du pays. Hey, flemme de l'heure guide audio, on dirait que je passe un coup de téléphone, ça me fatigue. Depuis tout à l'heure, je veux qu'elle se coule. Donc là, je vais m'apprêter à rentrer dans le palais et à faire les visites. Il pleut beaucoup, ça se voit pas forcément, mais il pleut et goutte et tout. J'ai même peur que ça ferme pendant que je suis là parce que c'est censé fermer à 16h. Et il est genre 16h. Là, je me dirige pour faire la dernière visite, mais franchement, il pleut toujours, il fait froid. Mais je me vois mal aller marcher dehors, parce que je voulais aller à la Taksim Square marcher et tout, avant faire ça en dernier truc, mais je me vois mal faire ça alors qu'il fait froid et il pleut, quoi, c'est bête. Je suis fatiguée. Ensuite, j'avais prévu d'aller me promener à Taksim Square et découvrir un peu Istanbul de nuit. Mais malheureusement, une pluie glaciale et soudaine s'est abattue sur la ville. Elle a duré des heures, je suis rentrée complètement trempée à mon hôtel et c'est comme ça que s'est terminé mon dernier jour en Turquie. Ce voyage est celui qui m'a le plus fouetté en termes de lâcher prise. C'était une première pour moi de ne pas prévoir mes visites à l'avance. Je suis partie sur une page blanche et cela s'est avéré très positif.
J'ai bien sûr rencontré quelques difficultés, surtout concernant la barrière de la langue, car les Turcs ne parlent pas du tout bien anglais. Mais ils se sont quand même montrés très hospitaliers et prêts à m'aider en toutes circonstances. Je suis donc très reconnaissante pour ce voyage encore une fois. J'espère vivre encore des aventures enrichissantes humainement parlant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Wangesege, bye! Voici mes quelques conseils et astuces pour un voyage réussi en Turquie.